Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite plume, cette canne plume précisément. Alors j'avais déjà fait un tuto sur le sujet sur mon autre chaîne YouTube, mais là c'est une nouvelle variante, on va dire ça comme ça. Bref, voilà. Donc j'ai choisi plusieurs couleurs, du coup je fais des dégradés deux par deux. Et avec la dernière couleur, et ça sera pas un dégradé, et puis c'est pas grave parce que le dégradé est facultatif, on n'est pas obligé. On fait comme on veut, comme d'habitude. Et je vais également utiliser du noir et du blanc, des couleurs quelconques, voilà. Je continue avec mes dégradés, je vais venir les affiner et les replier en accordéon. Je mets ça de côté et je m'occupe du noir et du blanc. Je prends ma lame crantée. Et je fais exactement la même chose avec la pâte noire. Du coup, j'en ai fait un deuxième. Et maintenant, je vais venir écraser mes dégradés. Et après, les enrouler avec de la pâte noire. Maintenant, je viens les écraser et je les passe à la pasta machine au cran le plus large. Ensuite, je reprends mes petits... Je sais pas comment dire ça. Et je viens étaler de la pâte noire très finement que j'étale sur la pâte blanche. Et maintenant, je vais venir passer ça dans ma pasta machine au cran le plus large, comme pour les bandes. Je coupe toutes mes bandes à la même largeur.
Et maintenant, je viens assembler tout ça ensemble. Donc, soit on respecte un code dégradé, ou soit on fait aléatoirement comme on veut. Donc, on les superpose en les décalant légèrement. Maintenant, pour faire le centre de la plume, je vais reprendre de la pâte blanche que je vais enrouler dans de la pâte noire. Je viens couper ça en deux. Je place ma bande au milieu et je referme. Je viens la tasser et la réduire pour en faire une canne. J'ai enroulé ma plume dans de la pâte noire très finement. J'aurais plus qu'à couper des petites tranches à l'intérieur et puis à faire le bijou de mon choix avec tout ça. Donc voilà pour ma part ce que j'ai fait. Et donc, pour ma part, voilà le résultat. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, eh bien, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!